Salut à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur le bon sound en fait du HTC One ici contre le HTC One X. Donc, je vais faire quelque chose de très simple, c'est que je vais lancer les deux musiques à peu près en même temps. Donc, je les ai déjà réglées sur la puissance d'écoute. Donc là, actuellement, les deux ont la même puissance d'écoute et le HTC One X est au maximum. Donc là. Donc là, on a les deux qui sont à peu près au même son, à la même puissance. Donc ce que je veux faire, c'est que l'un qui sont à la même puissance, je vais vous montrer la différence en augmentant le HTC One. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, effectivement, si vous voyez, on n'entend plus du tout le HTC One X par rapport au HTC One. Là, le HTC One X. Là, le HTC One. On va même faire plus fort, on va essayer de brancher sur le HTC One X une mini enceinte que j'avais, donc une HAT, c'est la X Mini. Que vous avez déjà vu et déjà présenté, qui a quand même une puissance assez impressionnante. Donc je vais la brancher tout de suite. Là par contre je vous dis pas que le HTC One va gagner, mais je vais vous montrer la puissance qu'on peut avoir. Donc là je le mets volume maximum. Attention, ça va déboîter. Ah ouais, attention, ça va déboîter, vous entendez? Ok. Donc là, elle est au maximum ici. Donc on entend plus beaucoup le HTC One en fait. Mais effectivement, le HTC One a quand même une assez bonne puissance. On va maintenant brancher la mini enceinte sur le HTC One juste pour vous montrer la qualité que peut sortir cette enceinte du coup avec le HTC One. Donc on enlève le One X. On passe le One ici, donc sur le jack. Hop, on réallume la X Mini comme ceci. Et on va remettre lecture. Alors bien sûr les médias changent. On va remonter le son. Alors après bien sûr la qualité du son va dépendre de la qualité de l'audio qu'on envoie. Si on utilise quelque chose qui vient directement du SoundCloud, ça peut être quelque chose de bien plus impressionnant. Donc on va lancer des bases du SoundCloud. Me voici donc sur le SoundCloud d'un artiste que certains doivent bien connaître. Alors je vais juste vous lancer le son pour vous faire profiter des basses. Donc là, vous entendez quand même que le volume est peut-être pas forcément ultra fort, mais les basses sont bien présentes. Alors il y a déjà eu plus fort comme volume, j'ai déjà entendu sur ce téléphone. Donc quand même, ça vous profiter des basses. On va la brancher sur la Light Mini juste pour le prochain départ. Donc j'ai mis Light comme ça, c'est fait. On va mettre les basses sur la X Mini juste pour voir la puissance que peut ressortir ces basses avec quelque chose qui a plus de basses quand même que notre HTC One. Donc on va baisser un petit peu le son pour pas casser les oreilles à tout le monde. Hop, il est déjà baissé. C'est parti. Donc ça, c'est sûr que là on voit qu'il y a les basses. Mais le HTC One n'a rien à envier à tous les autres smartphones actuels du haut de gamme, qu'on ait du HTC One X ou d'autres Samsung ou autres Apple. Franchement, le HTC One a un niveau de son vraiment impressionnant, surtout avec les basses qui délivrent. Et la qualité du son est vraiment très précise. On a vraiment quelque chose de clair et de bluffant. Donc pour le bon sound, il n'y a pas de souci, je vous le recommande vraiment, vraiment ce téléphone si vous voulez vraiment avoir de l'audio. En plus, vous remarquez que dès qu'on lance de la musique, alors là, on a le petit symbole Beats Audio qui s'active automatiquement parce que la technologie Bomb Sound, excusez-moi, contrairement aux précédentes, utilise directement le Beats Audio. Alors qu'avant, il fallait utiliser un casque pour pouvoir avoir ce Beats Audio. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Vous voyez aussi que si je quitte par exemple le Google Chrome, on continue, contrairement à ce qu'on avait sur le One X ici, on peut continuer à écouter du SoundCloud en ayant quitté l'application Chrome, ce qui n'était pas faisable avant. Donc quelque chose vraiment un gros point encore pour ce HTC One. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. C'était Flo.